Oh, Jeanne. Jeanne. Jolie Jeanne. Ravissante Jeanne. Vous m'avez manqué, le savez-vous? Mes enfants, monsieur. Monsieur. Monsieur est mon père. Moi, c'est Léo. Et on s'embrasse pour dire bonjour. Oh. Allez, allez, mes jolies, au travail! Allez, 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 mes petites abeilles! Enfin, monsieur! Bonsoir toi. Bonsoir. Bon, allez, allez, vous courez pas, allez. C'est une romantique et tu lui fais un vaudeville. Il faut lui dire de belles choses, abandonner la prose. Passe au verre. Bon, comment veux-tu que j'improvise des vers? Bonsoir, ma chère enfant. Je passais par hasard et n'espérais pas mieux que la joie de vous voir. Comme ça. Oui, eh bien, je suis acteur, moi, monsieur. Je dis les mots des autres. Elle est là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? Appelle-la, je vais t'aider. Jeanne. Ah, c'est vous. Je voudrais te parler. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. Si mes mots sont hésitants... Si mes mots sont hésitants... C'est parce qu'il fait nuit. C'est parce qu'il fait nuit. Je vois pas le rapport. Dans cette ombre... Dans cette ombre... À tâtons. À tâtons. Il cherche votre oreille. Il cherche votre oreille. Ça arrive pas du tout. Les miennes n'éprouvent pas difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite. Ils trouvent tout de suite. Oh. 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 Cela va de soi. Cela va de soi. Puisque... Puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi... Or, moi... J'ai le cœur grand. J'ai le cœur grand. L'oreille petite. Vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots vous descendent. D'ailleurs, vos mots vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut... Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. Léo. De cette gymnastique qu'ils ont pris l'habitude... Je vous parle en effet d'une haute altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non. Non. Montez au balcon alors. Non. Comment non? Mais c'est un peu que l'on profite de pouvoir se parler doucement sans se voir. Qu'est-ce que tu fiches? Sans se voir. Mais oui, c'est adorable, on se devine à peine. Moi, je ne suis qu'une ombre et vous, qu'une clarté. Non, tu l'aimes ou pas? Oui! Alors fais-moi confiance. Mon langage, jamais jusqu'ici, n'est sorti de mon cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, je parlais à travers... À travers? Oh, à travers le vertige où tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège... J'ose enfin être moi-même et j'ose... Où étais-je? Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter.
en tout, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot, et comme tout le temps mon âme, je frissonne. Tout le temps le grelot s'agite et le nom sonne. Oui, c'est bien de l'amour quand je suis enivré. Alors que la mort vienne, car cette ivresse c'est moi, moi seul qui l'ai su causer. Et je ne demande plus qu'une chose, un baiser. Comment? Je vais trop vite. Mais non, c'est le moment. Vous m'avez demandé. C'est vrai. Mais juste cieux, je comprends que je suis un peu trop audacieux. Vous n'insistez donc pas? Si, si, j'insiste, mais sans trop insister. Mais si. Non, Jeanne, ce baiser ne me l'accordez pas. Mais si, dites-moi, Léon. Qu'est-ce que vous dites? Je me gronde tout bas. Je me dis, tais-toi, Léo. Embrassez-moi. Pardon? Montez, embrassez-moi. Tu vois? Je monte. Léon, vous êtes vivant? À moitié. Je pars demain en tournée avec le tonton. Remettez-vous bien. J'essaierai. Soyez moi fidèle. Oui, sans doute. Écrivez-moi. Ça, je vous le promets. Ma pièce. Et non, mon dos. Ma pièce, j'ai ma pièce. Comment ça, tu as ta pièce? Cyrano et Christian aiment la même femme. Christian? Mais qui est Christian? C'est toi. C'est moi? Cyrano est brillant, mais laid. Christian est beau, mais bête. C'est tout à fait moi, ça. Christian de... De limacer le dos. De l'aider à conquérir Roxane. Qui est Roxane? Un balcon. La nuit. Des verres. Voilà mon acte 3. Ton acte 3 et les deux premiers. Où vas-tu? Trouver Coquelin.